Sur les sommets du Maïdo, à plus de 2000 mètres d'altitude, ses racines et ses écorces de végétation calcinée rappellent les incendies de novembre 2020. 175 hectares de plaines et de remparts sont dévastés par les flammes. Des dégâts qui imposent la fermeture du sentier Ticol-La Brèche, la porte d'accès vers Mafat depuis le Maïdo. Le sentier est primordial pour les habitants de Roche-Plate et des Orangers. C'est leur itinéraire le plus court pour sortir du cirque, pour leur vie quotidienne. Donc nous avions cette urgence, mais qui s'est accompagnée de prudence. Il aura fallu presque 10 mois pour observer et dégager les roches instables sur cette falaise fragilisée. Le département, avec l'appui technique de l'ONF, a travaillé à sécuriser ces 5 km de sentier. Les ouvriers forestiers de Mafat ont reconstruit à la main une partie du sentier. On a commencé par taper dans le talus amont, et voilà, sur 2 mètres de hauteur, à la baramine, à la pioche, au burin et à la massette, on a travaillé même au burin, et puis on a profité des rochers que l'on décollait pour les garder et les poser sur le sol, afin, on appelle ça un épaulement rocheux, qui permet de tenir le sentier sur sa partie plane où les gens vont poser les pieds. Un kilomètre de sentier reste particulièrement abrupt. Pour sécuriser ce passage, 2 voies de main courante sont installées sur 60 mètres de long. Alors une main courante, c'est un câble qui est contre le talus amont, sur lequel les gens posent leurs mains et se tiennent de façon serrée ou un peu moins serrée, suivant leurs impressions, mais qui permet d'éviter toute chute. Ces travaux en fait montrent que le département et l'ONF ont un partenariat qui est assez fluide, parce qu'il faut réagir rapidement. L'ONF, qui est notre bras armé, est vraiment expert en la matière, puisque ce sont des travaux qui sont très complexes, avec la nécessité de mise en place de dispositifs de sécurité. Le sentier est maintenant praticable, permettant ainsi aux randonneurs de plonger vers Mafat depuis ses remparts du Maïdo.
Ces images montrent bien la force du déluge qui s'est abattu sur la commune de Saint-Joseph au cours du week-end dernier. Des rivières en crue et des torrents d'eau se sont déversés à Vincent Dau. Ce mur d'une dizaine de mètres de long s'est littéralement effondré, laissant le passage libre à l'eau et à la boue qui se sont engouffrés dans ces habitations. Plusieurs familles ont tout perdu, comme Wendy Payette. Ici, il y avait de la terre jusqu'à la porte. Il gagnait plus ouvrir les portes en bois. Les gens la raclaient tout. On voit mon béton, les neufs. Là, mon appartement de morceaux de trottoir pour essayer de dévier. Les pompiers de Saint-Louis que m'y remercient parce que ben, ils sortent loin. Et l'eau l'a rentrée dans toute la maison. On n'a plus rien. Même l'armoire, là encore sur pied, mais il faudra vider. Nous n'a plus grand-chose. Le préfet, le sous-préfet, le président du département ainsi que les maires de Petite-Île, de Saint-Joseph et de Saint-Philippe se sont rendus sur place pour constater l'étendue des dégâts. Tous se mobilisent, comme le département, pour aider les familles. Nous avons un service des interventions qui est disponible, mais qui, avec des travailleurs sociaux, qui vont faire une évaluation pour chacune des familles impactées par cette crise. De ce que nous pouvons apporter. Nous le faisons en lien, je le dis, avec le CCAS de la commune de Saint-Joseph, parce que nos travailleurs sociaux sont là aussi, pareil, en coordination avec les services sociaux de la commune. Mais d'ores et déjà, eh bien, nous avons des dispositifs comme le chèque d'accompagnement alimentaire, hygiène, qui peut être mobilisé. Je voudrais aussi dire que quand il y a des dégâts sur les habitations, autant que faire se peut, nous avons aussi donc un dispositif d'amélioration de l'habitat qu'on va pouvoir donc mobiliser pour accompagner ces familles. Mais la solidarité départementale, elle s'exerce en lien avec les communes et bien sûr avec la commune de Saint-Joseph ici. Les communes les plus impactées, comme Saint-Joseph et Saint-Philippe, demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la mobilisation des fonds de secours outre-mer. Les équipes des unités territoriales routières du Sud sont mobilisées depuis plusieurs jours pour remettre en état les axes de circulation. Ici, dans la journée de samedi, on a eu une arrivée d'eau de la ravine Dominique et qui est passée sur la route et qui a emporté toute la chaussée. Donc on a fait intervenir nos équipes dimanche matin et on a pu réouvrir une voie de circulation dimanche après-midi. En fin d'après-midi. Le Sud Sauvage a été très touché, la Petite Île, Saint-Joseph, on a été justement sur Saint-Joseph, la région de Bézave, là-haut, donc aujourd'hui c'est rétabli. Je veux dire, il faut féliciter justement les services routiers du département, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont été très réactifs. Des intempéries qui montrent l'importance du plan radier lancé par la collectivité, qui vise à sécuriser les radiers submersibles. Une trentaine ont d'ores et déjà été supprimées sur les 156 recensés. Vous êtes dans la forêt de Montvert-les-Hauts, donc sur la commune de Saint-Pierre, pour vous présenter une opération de restauration écologique pilote donc sur cet espace naturel sensible du département. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme de plantation 1 million d'arbres du département. Alors vous vous trouvez dans une forêt là, qui a été acquise par le département en 1997 pour la protéger, puisque à l'origine, cette forêt était menacée par un projet de défrichement. Donc l'ensemble de cette forêt devait être rasée pour mettre en place des prairies d'élevage. Donc le département est intervenu pour la préserver durablement. Malheureusement, dans cette forêt primaire qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous avez une enclave d'anciennes friches, de prairies dans laquelle on se trouve actuellement, dans laquelle vous avez des espèces exotiques envahissantes qui petit à petit vont proliférer, se développer, puis envahir la forêt environnante et risquent de la détruire. Donc on intervient sur cette friche qui fait environ 6 hectares pour cicatriser en fait le milieu, c'est-à-dire qu'on va reboiser cette prairie avec des espèces indigènes pour refermer le milieu, pour refaire une peau si on veut, et permettre à la forêt de s'installer. Et à terme, on aura donc reconstitué la continuité écologique de tout le massif qui s'étend depuis la plaine des Grecs jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix sur 800 hectares. Alors pour ce projet qui fait 6 hectares, là nous en sommes à la phase des essais préliminaires, des essais de mécanisation et de plantation. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des incertitudes par rapport au sol, par rapport au climat, par rapport aux espèces qui vont tenir ou pas tenir. Donc avec l'équipe de la SPL, on fait des essais
de plantation en ligne à la mécanisation, après giroboyage, et on va encore faire des essais de plantation en ligne avec un pic à canne, c'est-à-dire qu'on va faire un sillon et on va planter dans le sillon. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on plante un arbre qui coûte 10 euros, il faut dépenser 40 euros à 50 euros pour en assurer l'entretien. Sinon les espèces invasives vont se développer, puis finalement vont finir par étouffer l'arbre et le tuer. Mais cet entretien coûte très cher. Donc l'essai consiste à notamment à faire des essais de mécanisation pour limiter les coûts. Le Challenge des créateurs dévoile sa 24e édition. Un concours qui valorise les demandeurs d'emploi qui font de la création d'entreprise une valeur de l'insertion professionnelle. Donc les modalités de cette année pour être éligible au concours du Challenge des créateurs 2021, 24e édition, ça va être ouvert donc aux entrepreneurs qui ont créé leur entreprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020. Et l'autre condition sine qua non, c'est que le créateur était demandeur d'emploi donc au moment de la création et qu'il a créé son propre emploi. Un challenge qui garde les mêmes formules, 7 catégories de prix récompensés avec chacune un lauréat et un finaliste, des dotations financières et de l'accompagnement stratégique auprès des partenaires du réseau Point Chance. Notre population réunionnaise qui connaît vraiment les effets néfastes du chômage, eh ben, moi j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur, lancez-vous. On est là avec les chambres consulaires, on vous accompagne. On vous accompagne sur le montage du projet. On vous accompagne avec des dispositifs financiers, quel que soit votre âge. Hein. Il y a des dispositifs financiers au sein du département. Il y a des chambres consulaires qui sont là aussi pour vous écouter, pour vous accompagner. Il y a la chambre des experts comptables qui sont là aussi pour donner des bons plans d'organisation au niveau de la gestion financière. Donc, osez. On compte aujourd'hui 114 lauréats du Challenge des créateurs depuis son lancement en 1998. Jean-Wally Romély en fait partie. Il a gagné en 2020 le prix de l'innovation pour sa technique de couverture des toitures en chaume de vétiver. La notoriété par rapport aux produits que nous défendons depuis avant et aujourd'hui, il est valorisé par rapport à ce concours. Il est gratifiant et voilà quoi. C'est que du bonus quoi. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du département au www.département974.fr. Vous avez jusqu'au 17 octobre à minuit pour participer à cette aventure des créateurs d'entreprises. Nous pouvons être fiers des grands chantiers que nous menons en faveur de la transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous, département, voulons aller encore plus loin. Nous adoptons un grand plan de transition écologique et solidaire qui nous permettra de faire notre part dans cet immense défi. Face au dérèglement climatique, à la perte de la biodiversité, à la pression sur les ressources naturelles, face aussi à l'opportunité d'évoluer vers une société plus solidaire et plus sobre, le département s'appuie sur l'ensemble des Réunionnais pour trouver des solutions. 1067 propositions ont émergé de la concertation organisée en octobre-novembre 2020. Elles constituent aujourd'hui le socle de ce plan de transition, de la feuille de route du département pour contribuer plus et mieux aux défis du développement durable. C'est l'ensemble de l'administration qui transforme ses pratiques pour que les préoccupations environnementales soient pleinement intégrées à notre fonctionnement. Nous diviserons par deux la quantité de déchets non recyclables générés par notre activité d'ici 2025. Nous expérimenterons au sein des directions volontaires plusieurs actions de réduction des déchets non recyclables. Grâce au partage d'expériences et en s'adaptant à chaque situation spécifique, nous généraliserons les actions les plus pertinentes. Les élus et les agents n'ont pas attendu la mise en place d'un plan de mobilité pour laisser leur auto à la maison. Ça fait 5 ans que je prends le bus pour venir travailler. Donc ça fait des économies déjà. On n'a pas d'essence à dépenser, on n'a pas de voiture à faire des révisions.
La Suisse est super, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, entraînons l'ensemble des agents et élus dans une mobilité plus durable, en se déplaçant moins et mieux. En 2023, nous souhaitons que 500 personnes du département aient évolué vers un transport moins polluant grâce, par exemple, à une plateforme de covoiturage. Nos achats doivent entraîner les entreprises de la Réunion vers de nouvelles technologies et façons de faire. Pour cela, nous visons en 2026 un objectif de 50% de marché comprenant une clause environnementale dans un dialogue constant avec le monde économique. La nature et les paysages de nos cirques et remparts sont au cœur de notre identité. Pour préserver et valoriser notre biodiversité, nous replanterons 1 million d'arbres d'ici 2024 et nous menons une politique offensive pour protéger nos forêts des espèces exotiques envahissantes. Preuve qu'écologie et développement durable peuvent travailler main dans la main, nous réaménagerons nos espaces touristiques emblématiques comme le Pas de Bellecombe et le Maïdo. Nous engageons une transition agricole pour nourrir tous les Réunionnais avec des produits frais, locaux, issus de l'agriculture raisonnée, biologique ou de l'agroforesterie. Dans les prochaines années, cela signifie créer un label de reconnaissance des produits pays. 80% des fruits et légumes et 95% de la viande fraîche seront produits localement. 5 millions d'euros sont réservés au développement du bio sur les 5 prochaines années. Nous favorisons l'alternative à la voiture en développant, en cohérence avec les autres collectivités, des pistes cyclables pour garantir la continuité des itinéraires. Un grand plan vélo qui définira les travaux à réaliser et les services de mobilité douce à mettre en place sera mis en œuvre. Nous adaptons notre réseau routier au dérèglement climatique et à l'intensification des cyclones grâce à la sécurisation de 156 radiers. Nous bonifions nos aides en faveur des projets de l'économie circulaire et mettons en réseau tous les acteurs de ce domaine pour créer un véritable effet de levier de diffusion sur le territoire. La transition écologique doit être solidaire. Elle nous associe tous pour que chacun puisse y contribuer, mais également qu'elle profite à chaque Réunionnais et Réunionnaise. Faire des économies en faisant de l'écologie, c'est possible, et nous le montrerons en proposant à nos publics des ateliers de confection de produits ménagers, de redécouverte des pratiques longtemps, de cuisine pour limiter le gaspillage. Nous associons tous les Réunionnais à ce grand mouvement grâce à un plan de sensibilisation qui intègre aussi les plus jeunes dans les crèches, établissements scolaires, établissements d'accueil d'enfants ou de jeunes adultes. Parce que nous ne pouvons rien faire seuls, nous mobilisons et appuyons nos partenaires pour développer des actions conjointes de transition écologique et solidaire. La réussite du plan de transition écologique et solidaire repose sur notre capacité à organiser une gouvernance moderne et transparente. La gouvernance associe les citoyens, les élus, les agents, les partenaires publics et privés, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la transition. La gouvernance s'appuie sur des indicateurs régulièrement mis à jour et communiqués dans un espace dédié. La transition écologique et solidaire est un sujet complexe et ces outils nous permettront d'adapter notre stratégie pour répondre au mieux aux attentes du territoire. Vous le voyez, les actions à mener sont nombreuses et les défis immenses. Pour toutes les actions à faire, Nathier Bolo en sort. Dans l'exemple qui soit dans le secteur social, qui soit dans l'économie, ou sinon ça pour protéger nous de l'environnement. Nous va faire en sorte de bonne planter et qu'ils vivent bien. Ils plantent tout ça de nous là. Sur les sommets du Maïdo, à plus de 2000 mètres d'altitude, ses racines et ses écorces de végétation calcinée rappellent les incendies de novembre 2020. 175 hectares de plaine et de remparts sont dévastés par les flammes. Des dégâts qui imposent la fermeture du sentier Ticol-La Brèche, la porte d'accès vers Mafat depuis le Maïdo. Le sentier est primordial pour les habitants de Roche-Plate et des Orangers. C'est leur itinéraire le plus court pour sortir du cirque pour leur vie quotidienne. Donc nous avions cette urgence, mais qui s'est accompagnée de prudence. Il aura fallu presque 10 mois pour observer et dégager les roches instables sur cette falaise fragilisée. Le département, avec l'appui technique de l'ONF, a travaillé à sécuriser ces 5 km de sentier. Les ouvriers forestiers de Mafat ont reconstruit à la main une partie du sentier. On a commencé par taper dans le talus amont
Et voilà, c'est sur 2 mètres de hauteur, à la baramine, à la pioche, au burin et à la massette. On a travaillé même au burin. Et puis on a profité des rochers que l'on décollait pour les garder et les poser sur le sol. Afin, on appelle ça un épaulement rocheux, qui permet de tenir le sentier sur sa partie plane où les gens vont poser les pieds. 1 km de sentier reste particulièrement abrupt. Pour sécuriser ce passage, 2 voies de main courante sont installées sur 60 mètres de long. Alors une main courante, c'est un câble qui est contre le talus amont, sur lequel les gens posent leurs mains et se tiennent de façon serrée ou un peu moins serrée, suivant leurs impressions, mais qui permet d'éviter toute chute. Ces travaux en fait montrent que le département et l'ONF ont un partenariat qui est assez fluide, parce qu'il faut réagir rapidement. L'ONF, qui est notre bras armé, est vraiment expert en la matière, puisque ce sont des travaux qui sont très complexes, avec la nécessité de mise en place de dispositifs de sécurité. Le sentier est maintenant praticable, permettant ainsi aux randonneurs de plonger vers Mafate depuis ses remparts du Maïdou.